On a 4 stages obligatoires. Celui de 3e année ne l'est pas encore. Donc stage de première année, donc un stage obligatoire de 8 semaines. Dans ce cadre-là, c'est une question faire un stage de découverte de l'entreprise. Deuxième stage en 2e année, là c'est un stage dans la fonction commerciale. Donc ce stage-là est de 8 semaines aussi, également obligatoire. Ensuite, vous passez en 4e année et à partir de là, on passe en stage de 6 mois. Toujours obligatoire, donc qui là doit se rapporter au cadre de votre master. Et cette stage de 5e année, obligatoire également, 6 mois également. Et donc là, c'est un stage de fin d'études. Donc si en plus vous avez la possibilité d'obtenir un CDI à la fin de ce stage, c'est idéal. Pour tous les stages obligatoires, il y aura un rapport à écrire. Donc les stages sont suivis, vous aurez un tuteur assigné à chaque fois. Ensuite, voilà, donc vous serez noté sur votre rapport de stage. Sur la façon dont vous êtes comporté en entreprise, puisqu'on demandera une évaluation aussi à l'entreprise. Je vais dire que c'était celui de 4e année, puisque déjà c'était un stage de 6 mois, donc il y a quand même une grosse différence entre rester 8 semaines dans une entreprise et y rester 6 mois, parce que tout de suite, on fait beaucoup plus partie de l'équipe, on a des projets beaucoup plus intéressants. Tout de suite, on a un rythme de vie qui se met en place et on a aussi une perspective sur ce que ça va être quand on va sortir d'école. Ce qui a été le plus difficile parfois, ça peut être avec certains clients, si on est en contact client bien sûr. Et puis ce qui peut être un petit peu déstabilisant aussi, mais bien sûr, ça fait partie de la vie aussi de ces grosses entreprises qui voient passer beaucoup de stagiaires. C'est voilà, quand vous rencontrez des personnes régulièrement et qu'au bout de 4 mois, ils ne se souviennent pas encore de votre prénom. Ça ne fait pas forcément plaisir, mais ça arrive. Je vais dire expérience. Bon, ils ont tous été très différents et certains plus simples que d'autres pour s'adapter, pour progresser, pour s'intégrer. Mais au final, ce qu'ils m'ont tous apporté, c'est de l'expérience, peu importe le moment, peu importe les personnes avec qui j'étais.